Le premier défi va vous demander de battre des troopers avancés. Donc quand vous êtes dans votre village de base, si vous utilisez vos macros jumelles, ça va vous permettre de voir des grottes de rebelles. Donc il n'y en a qu'une seule, et c'est totalement normal parce qu'en fait vous allez devoir traverser cette grotte pour arriver dans des bunkers impériaux et pouvoir trouver des troopers avancés. Alors quand vous avez traversé la grotte, là vous réutilisez vos macros jumelles, et là vous allez voir qu'il y aura des logos rouges. Donc ces logos rouges sont justement des bunkers impériaux, et c'est dans ces bunkers là que vous allez pouvoir trouver les troopers avancés. Donc là je vais m'y rendre pour vous montrer qui sont les troopers avancés. Alors voici à quoi ressemblent les bases impériaux. Vous rentrez dedans, ensuite quand vous êtes à l'intérieur vous allez devoir traverser ces portails là. Et pour les traverser, il faudra obligatoirement tuer tous les soldats troopers qui sont juste avant. Et vous allez voir que quand je vais tuer le dernier, hop, à un moment donné, ça va ouvrir le portail. Sauf si j'en ai oublié un, je crois. Ouais, j'en ai oublié deux là-bas. Ok, voilà, donc là, je l'ai tué et logiquement, le portail s'est ouvert. Ouais, effectivement, vous pouvez voir que le portail s'est ouvert. Donc là, vous allez devoir continuer la grotte. Vous allez retomber sur des soldats troopers, sur un portail rouge encore. Vous allez devoir retuer les soldats troopers pour accéder à la troisième et dernière zone. Ensuite, quand vous êtes dans la troisième zone, là, vous aurez un soldat en noir. Et ça, ce sont les soldats troopers avancés. Donc là, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement le tuer. Alors faites attention parce qu'il est vraiment très balèze. Hein. Il fait très très mal. Ok, donc là, j'ai réussi à le tuer. Maintenant que je l'ai tué, la petite astuce que je vous propose, c'est de ressortir de la grotte et re-rentrer dans la grotte. Comme ça, vous allez pouvoir le faire apparaître en illimité. Parce que si vous le tuez, vous tuez tous les boss et que vous terminez la grotte, ben les soldats ne réapparaîtront plus dans cette grotte, donc dans ce bunker impérial. Donc petite astuce, si vous voulez ne pas explorer toutes les grottes, ben vous ressortez de la grotte, vous re-rentrez, et quand vous allez re-rentrer, ça va faire réapparaître un nouveau soldat trooper avancé. En plus, ce qui est bien, c'est que vous n'aurez même pas besoin de retuer tous les soldats de la première zone et de la deuxième zone. Parce que ben, tout simplement, les portails sont ouverts, donc ils réapparaissent pas. Et voilà, donc regardez, je suis retourné à l'emplacement du trooper avancé, et il est tout simplement réapparu. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à l'éliminer 3 fois au total pour terminer le défi et débloquer les récompenses.